Oui, ça très important, ça fondamental. Hein. Donc, depuis quelques années, nous avons gourmé en l'eau pour nous valoriser les oranges en nous, les oranges à Guadeloupe. C'est vrai que nos maladies passées qui fait nous perdre les oranges, mais quand même, nous avons gourmé et puis nous avons trouvé quand même un petit brin d'orange pour faire production en nous. Alors, c'est vrai que nous avons une marque qui a créé les vins d'or. Les vins d'or et nous avons fait une série de produits avec ça. Mais ça qui est plus important, c'est de voir avec 16 oranges, nous pouvons faire une majorité des produits. Donc, avant 16 oranges, nous avons fait jusqu'à présent, chaque année, nous avons essayé de développer un produit. Et là, nous avons 13 produits avec les oranges. Donc, on peut citer tous ces produits-là. Mais fondamentalement, dans tout le travail que nous avons fait là, c'est la transmission là qui est importante. Et puis aussi, à travers la transmission, la pédagogie là, nous avons pour nous dire ces gens-là. Parce que derrière ça, nous avons le travail, mais derrière ça, nous avons l'histoire. Non, histoire parentale, non, histoire familiale, non, histoire plusieurs générations qui ont joué en grand tonton en nous, qui ban nous, en qui j'en fais, ça y va créer vin d'orange. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un produit, vin d'orange, son thème vernaculaire, parce que ça, là, on fait du vin, c'est raisin. En qui j'en fais produit là, ça, et produit là, ça, c'est un produit où tu as fait les récoltes à café là, c'est très important. Donc, il faut fêter ça, donc il faut tenir un produit qui permet à la hauteur de récolte à café là. Donc, depuis quelques années, nous avons essayé de développer ça, nous avons essayé de développer ça de temps en temps, mais aussi axer si vraiment produit naturel, traditionnel. Et c'est ça qui est important pour nous à travailler là-dedans. Alors, ça qui est important aussi, c'est que vous savez, derrière tout travail à produits guadeloupéens, ni aussi en histoire, en dégâts d'eau, en histoire, ni des valeurs traditionnel qui a développé ça, mais ni aussi toute la partie que fort aussi chaque Guadeloupéen savent que fort yoba produit Guadeloupéen des forces. Et ça, c'est fondamental. Et à penser si chaque Guadeloupéen bat produit local force, nous qui arrivons très loin à dans ça, parce que là, on va développer un produit Guadeloupéen. Quand on va faire, eh bien, aussi quelque part, on va développer un poids pour Timouna ou d'autres générations. Donc finalement, son rapport qui est vraiment très gagnant. De travailler pour du local et de consommer pour du local, c'est important. Oui, normalement, on va présenter miel, c'est apiculteur, hein, à part vendeur de miel. Alors, c'est moi qui ai produit miel là, et c'est un éleveur d'abeilles aussi. Et bien, produit en moins, c'est un produit naturel, et c'est récolté à froid, c'est le miel royal pays, c'est le miel de Bouillante, et c'est un miel qui est très connu, qui est primé au Salon de l'agriculture à Paris. Et qui prime aussi en Guadeloupe médaille d'or. C'est plusieurs types de miel, mais moi, comme ici, nous n'avons pas étendu, il n'est pas grand, donc on ne peut pas faire un miel monofloro. Donc moi, on travaille ici toute fleur. Toute fleur, et donc toute miel en moi, c'est toute fleur. Oui, oui, exactement, c'est pour ça, hein, c'est pour ça là aussi. Puis c'est des fois, on a des gens qui vendent miel là, ce système là pour moi, mais des fois, on a venu, moi, faire un temps fort. Je vais expliquer mon produit là, de consommer local, consommer miel Guadeloupe. Et le miel même, c'est un produit naturel, c'est un produit qui est fort pour le tester, hein, qui est bon pour tout corps. Quoi. L'essentiel, c'est consommer miel et essayer d'utiliser le sucre le moins possible. C'est le miel qu'il faut utiliser, le miel des fleurs, le miel des abeilles. Et pour les diabétiques, le miel en moins, il n'y a pas d'incidence sur les diabétiques puisqu'il est naturel, il est récolté à froid. Chaque coiffe, chaque signification, quand on a dit, Dominique a dit, on revient pour chaque jour, mais Guadeloupe nous presse une coiffe pour chaque jour, puisque grand-maman nous, grand arrière, grand-mère nous, tout, laissons l'eau trace dans nous, et ni 200 et poussière manière marée coiffe là, et sans compter que chaque association culturelle, Kabaye, Touchaye aussi, donc nous, chacun met ton petit couleur, et c'est vrai que marée tête, c'est un bitin qui est important parce que c'est. Quand on a dit un arbre sans racine, c'est un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans racine, c'est exactement le mythe-là. Il faut nous connaître ça qui est en nous avant de nous chercher ça qui est à les autres. Et la culture guadeloupéenne passe de par d'abord la culture du costume pour ensuite parler de la danse. Et tout ça, ça lié, ça belle les vraies populations, nous, qui répondent et qui peuvent parler de ça qui est à eux. En le monde, on a vu que. Plus le temps a passé, plus le monde a intéressé à ça qui t'a eu. Donc, on a question vini, on a question si, surtout si culture et tradition à Karela, là est sorti exactement, qui j'ai eu fait pour savoir que tel coiffe TV dit tel bitin. Et c'est vrai que grand-maman nous t'a parlé avec la coiffe.
yo pa te ka di ben j'ai envie de d'avoir un homme dans ma vie quoi fla te ka parler ba yo c'est un exemple hein ça veut pas parce que madame teni ti bon trop dignité pour pe ça dit qu'il y a besoin d'un homme vie à yo mais c'est vraiment pour dire que tout bit te ka passer par le langage de la coiffe et c'est pour ça que ni carte postale qui a fait aussi même si ça qui pas marqué les cartes là pas veut dire véritablement ça ça y est mais c'est vrai que culture à coiffe nous important pendant que moi-même qui a fait travail là ça et c'est vrai que derrière on journée intervention comme ça on l'a travail et c'est pour ça que en cas de mettre à manioc tel que on était au film merci parce que c'est eux qui initiateur ce genre de bitin là ça dans la culture traditionnelle nous ni des monde qui des potomitans Raymond Cachemiotol Raymond Paterterin Jacqueline Cachemiotol c'est des monde qui laissent trace à yo et qui a fait que aujourd'hui je ne peux pas dire qu'il tic traditionnel avant moi-même apprendre monde faut que moi-même aille renseigner moi puisque on monde peut pas quand même demain matin que oui enlever et ben en ça danser non et c'est ça qui a fait que on l'eau nous capait dans l'eau racine en nous parce que tout le monde vient danser tout le monde vient chanter tout le monde vient tout bitin donc au lieu de nous ni faire des bitin pour nous faire en nous apprendre faire et nous peut dire oui en ça fait donc on peut transmettre alors je suis modéliste donc modéliste ça consiste à créer le vêtement donc le styliste il va m'apporter le dessin du vêtement et moi je vais devoir réaliser le vêtement. Je vois que le couturier lambda, comme on dit, ça s'appelle le modéliste. Comme je viens de vous dire, le styliste, il va dessiner, il va vraiment faire des recherches de matière, il va donner au modéliste. Le modéliste, il va mettre en œuvre le dessin, le modèle du styliste. D'abord, j'ai fait une formation, un CAP, au lycée Le Ducharmois. Puis, j'ai continué avec le bac pro. En métropole, le lycée d'Alembert. Et là, j'ai fait une année de BTS en maroquinerie chaussures. Voilà, donc qui complète un peu ma formation en vêtements. Oui, alors maintenant, je crée des sacs avec la toile de jute. Je fais du recyclage. La toile de jute, je l'ai achetée chez Monsieur Cholette. Voilà. Dans son usine de café. Donc, je valorise cette toile de jute. Au lieu on peut la jeter, mais aussi on peut faire autre chose avec, la valoriser, créer des sacs, des pochettes. Oui, avec le wax. Le wax, c'est un tissu vraiment qui me plaît, déjà par ses coloris, ses motifs. Et puis, vous allez voir, hein, je ressemble un petit peu à une Africaine. Quand j'étais en métropole, on me disait souvent ça. Donc, du coup, c'est ce petit côté du wax que j'aime bien. Voilà. Bien sûr, j'ai des projets. Comme je vous ai dit, j'ai arrêté mon BTS, mon année de BTS. Mais j'ai des projets pour créer mon entreprise. Et puis, on verra bien après, par la suite, comment ça va évoluer. Mais je remercie déjà la commune de Bouillon parce qu'il y a pas mal de personnes qui me voient et me disent « Ah, c'est Ivana et tout !» qui faisait des vêtements, des sacs et tout. Donc je remercie déjà la commune de Bouillon et puis mes parents, ma mère, voilà, qui me soutient beaucoup dans ce projet aussi. Hein. Alors pour l'instant, c'est sur ma page Facebook personnelle. Bon, je peux donner le nom, hein. C'est Ivana Colibrigas. Et sinon, après, voilà, je n'ai pas vraiment de page spéciale pour l'instant. N'a pas de secret, c'est beaucoup dire, parce qu'on en apprend tous les jours. Voilà. Donc, mais pour l'instant, j'essaie de le travailler au mieux. Ben, c'est une très bonne chose, surtout que ce sont nos exposants du territoire hein, qui sont mis en avant. Et c'est une très bonne chose au niveau touristique, mais au niveau aussi culturel, parce que les enfants qui ne savaient pas, par exemple, le marrage de tête. Donc on a un très bon pédagogue qui est Jean-François, qui nous a expliqué un petit peu l'historique du marrage de tête, l'historique des différentes tenues, comment était adaptée la tenue par rapport à la tête. Nous avons également de très bons artisans, notamment au niveau du boudin créole. Donc un artisan de Bouillante, de village, qui propose des boudins, boudin blanc, boudin rouge. Nous avons également un artisan qui propose du jus de canne. Local. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ça qui forme un petit peu le thème de la fête qui est porté sur la culture. Nous avons l'animation K au niveau du boulevard et toute une panoplie d'artisans qui proposent des choses pour la population, pour les touristes, afin de faire connaître notre culture et aussi Bouillante. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très portés sur tout ce qui est agroalimentaire et c'est là que se trouve la richesse
faire connaître notre culture aux plus petits, aux touristes, aux enfants, même de la maternelle, qui puissent grandir dans cet état d'esprit. Donc c'est voilà. Et chaque tête était différente. Et surtout, quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'avec le riz, l'eau du riz, qu'on pouvait créer un carré. Parce que dans l'eau du riz, il y a l'amidon. Et le pédagogue Jean-François a très bien expliqué comment préparer à la maison, de manière écologique, avec l'eau du riz, mais cette coiffe créole que nous portons. Oui, ça aussi, on a appris. Et puis, comme on dit, hein, on a le croca. On a le gros cas, les sept rythmes du gros cas qui veulent dire quelque chose, mais on a aussi à travers les coiffes. Sans parler, les personnes savaient déjà la posture de la personne qui portait la coiffe. Et ça, c'est une richesse qu'on doit mettre en avant. Je suis très fière de ma commune, de l'équipe municipale. Et puis je me dis tout simplement que c'est ensemble nous qui arrivons, avec notre population, avec l'équipe municipale et les personnes qui nous entourent. C'est là la richesse et c'est là notre fierté.